Bonjour à tous. Depuis l'annonce de la tournée nationale du président de la République dans les communes, tous les regards étaient tournés vers l'étape de la commune de Tchaourou. Une commune qui s'est particularisée lors des élections législatives d'avril 2019 et quelques mouvements d'humeur lors des élections communales et municipales dernières. Démarrée le jeudi 12 novembre 2020, la première journée de cette tournée nationale a eu pour destination les communes de Savay, Tchaourou et Parakou. Le président Patrice Talon a été accueilli dans l'après-midi du jeudi 12 novembre 2020 avec un rameau d'olivier, symbole de paix et de victoire, avant son entrée dans la salle du centre des jeunes et des loisirs de la commune de Tchaourou. Très marqué par les événements qui se sont déroulés dans cette ville, le chef de l'État, après les mots de bienvenue du maire de la localité et le message du porte-parole des associations de développement, a laissé entendre, je cite, « Moi, j'ai pardonné, la République a pardonné, l'État a pardonné. C'est à vous de pardonner maintenant. » Fin de citation. Le président Patrice Talon a demandé aux participants de devenir ses porte-parole pour sensibiliser les autres membres de la communauté à la paix. Il a annoncé que les mois à venir réservent d'agréables surprises à cette commune parce que bon nombre de projets sont en phase de maturité et pourront démarrer incessamment. Le président Patrice Talon a promis revenir à Tchaourou, parcourir la commune quartier par quartier pour s'assurer que le message de réconciliation est passée et que la place est donnée désormais pour faire le développement. À Parakou, commune dans laquelle le chef de l'État a bouclé la première journée de sa tournée nationale, le jeudi dernier, les sages et notables ont reçu une mission. Patrice Talon les a mandatés en ces termes, je cite également, « Je vous demande, vous, sages et notables de Parakou, à travailler à ma réconciliation avec mon aîné Boniaï. Boniaï et moi étions comme deux petits frères et grands frères. » Nous parlerons de tout ceci, notamment de la première journée de la tournée nationale du chef de l'État Patrice Talon. Dans le décryptage du jour, nous parlerons également de la présidentielle de 2021 et de ses enjeux politiques. Et pour le décryptage du jour, je reçois pour vous, chers amis internautes de Info Hebdo, je reçois pour vous Agapit Napoléon Mafouricain, il est consultant en médias communication. Il sera avec Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse La Dépêche. Le troisième invité de ce matin sur ce plateau et Alphonse Moïse Soudé. Il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Sans plus tarder, juste après la pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée 2020-2021 à l'ESAE, je vous retrouve pour le décryptage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000. 100 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'un million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. Rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé à l'entente de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzo Anago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux internautes de ESAE TV. Merci d'être toujours disponible pour ESAE TV. Vous êtes face à Agapit Napoléon Mafouricain. Bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour à tous. Merci d'avoir également réagi à votre agenda. Alphonse Moïse Soudé, merci aussi d'être des nôtres depuis quelques jours. Merci à vous. Bonjour, Kader. Bonjour à tous. Joseph Perzo Anago, le président Patrice Talon a entamé une tournée nationale jeudi dernier. Il s'est rendu à Savay, à Parakou et à Tchaourou. Dites-nous d'entre deux jeux, quelle est votre appréciation de cette démarche du chef de l'État? Bon, ben, dans un premier temps, je dirais qu'il n'est jamais tard pour se rattraper. Et puis, dans un second temps, je dirais que en fils de ce pays
et ayant le droit d'aller venir, le chef de l'État devrait pouvoir aller où on lui semble sur son territoire, comme ce devrait être mon cas, le cas d'autres personnes, contrairement à ce qu'on a noté il y a quelques moments où certains Béninois n'ont pas la possibilité d'aller venir. Donc je dis, dans un premier temps, c'est bien que le chef de l'État ait pu finalement décider d'aller au contact de son peuple. Et puis, c'est tout à fait normal qu'il puisse jouir de cette liberté d'aller et de venir. C'est tout à fait normal qu'il puisse jouir de cette liberté d'aller et de venir. C'est normal pour Joseph Perdonago que le chef de l'État soit au contact de ces populations. Agapit Napoléon Africain, est-ce que vous partagez cet avis de votre vis-à-vis? Bien évidemment, puisque le chef de l'État, il a un mandat. Son mandat couvre l'espace du territoire national, donc, et même au-delà, par rapport à la souveraineté internationale. Donc, Je vous reviens sur les propos tenus par le chef de l'État. Alphonse Maurice Soudé, d'entrée de jeu, votre commentaire sur cette tournée, l'initiative de cette tournée. C'est son droit le plus absolu, c'est un Béninois. Il a le droit d'aller de venir en tant que chef de l'exécutif. Il a décidé de faire une tournée pour constater de visu, comme je le dis, tout ce que son gouvernement a lancé, tous les chantiers ouverts. Donc au thème de la tournée des 50, dans les 54 villes, il pourra nous dire s'il a été satisfait de ce qui est fait, si ses compatriotes sont satisfaits de lui. On attend l'heure du bilan. Joseph Perdonago, est-ce que cette tournée est assimilable à une sorte de pré-campagne ou une auto-évaluation des réformes entreprises depuis avril 2016 à ce jour? Non, mais il est évident qu'il s'agit d'une pré-campagne. Cela donc vous n'y voyez pas une auto-évaluation? Non, je vous en prie. Il y a des instruments pour évaluer. Nous sommes à l'ère du modernisme et tout ce qu'on veut. Et il y a des instruments pour évaluer. Et puis, dire qu'on veut évaluer aujourd'hui, il y a aussi la démarche conceptuelle pour évaluer. Et donc, lorsque le chef de l'État prend ses bahuts et se met au contact de ses compatriotes, à l'étape où nous sommes, à 6 mois de la fin de son mandat, chose que nous n'avions pas vu, je suis tenté de dire jamais vu, à part qu'il soit allé à Parakou en 2016, et on ne l'a plus jamais vu sur le territoire national, et aller au contact de ses compatriotes. Et ceux-ci en ont eu besoin. Il y avait eu des événements majeurs qui devraient quand même faire déplacer le chef de l'État au contact de ses populations. Il n'a pas pu le faire. Et donc, dire aujourd'hui que c'est pour une évaluation, je dis non. Pour évaluer, il y a énormément d'outils à sa portée, à la portée du gouvernement et à la portée de ses membres, que ceci ne s'assimile ni plus ni moins qu'à une pré-campagne. Pré-campagne, selon Joseph Perdonago. Alors, dites-nous, Agapit Napoléon Africain, est-ce que c'est une auto-évaluation, même question, est-ce que c'est une auto-évaluation des réformes entreprises, des réformes engagées, ou une rencontre de vérité avec les populations qui ont exprimé, c'est une frange, dont ont exprimé toujours un mécontentement à l'égard des régimes, ou carrément c'est une pré-campagne qui a démarré comme ça? D'abord, des populations qui ont exprimé un mécontentement à l'égard du régime, c'est discutable. Je ne sais pas de quelle population vous parlez, on va arriver là-dessus. Il me semble que le communiqué officiel parle d'évaluation des chantiers, d'évaluation de ce qui est fait. Et donc, a priori, voilà l'angle sous lequel le chef d'État place sa sortie. Après, chacun est libre de spéculer. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure que voilà, il y a eu des événements qui auraient pu le faire partir. Mais qu'il n'est pas allé, mais que pourquoi il va? Parce qu'il y a des outils d'évaluation. Mais justement, les mêmes outils lui ont permis d'avoir la situation du terrain, au moment où il a dit qu'il y avait certains événements, et qui lui ont permis de gérer, de très bien gérer cette situation. Hein? Donc, en réalité, pourquoi veut-on que le Sénat se déplace et n'a rien à voir? C'était ça. On était habitué sur Soglo et surtout sur Yahi, à un président, à des présidents qui voyagent beaucoup. Qui, surtout le président Yahi, il avait un hélicoptère, il allait, il venait, il pouvait avaler le nord, le sud en une journée, l'est et l'ouest. Mais le président Kérékou, qui je pense doit inspirer le président Talon dans cette démarche, le président Kérékou n'a pas bougé. Il bouge en 10 ans, il n'a pas fait 2 fois la tournée du pays. Tout simplement parce qu'il estime que de Cotonou, de son bureau, il a une vue sur ce qui se passe dans le pays et il gère. Celui qui est là, évidemment, il est venu. Il connaît déjà la situation, il n'a pas besoin d'un diagnostic. Vous direz qu'il est allé pour faire quoi? Pour vous promener, pour aller en villégiature. Il a déjà le diagnostic, il sait déjà ce qu'il faut faire. Dès décembre, le programme d'action est mis en œuvre, des chantiers sont mis en œuvre, des chantiers sont ouverts. 4 ans après, c'est tout à fait normal. Et le voyage du Parakou en 2016 est illustratif.
Le voyage du Parakou permet de dire, je démarre, comptez dans 4 ans, dans 5 ans, vous me jugerez. Et quand il a dit, serrez la ceinture, hier, il dit à Parakou le jeudi dernier, 12, il a dit, nous avons fait des efforts, ça n'a pas été facile, je vous ai fait serrer la ceinture, 4 ans après. Donc, descend sur le terrain 4 ans après, il y a quelque chose à évaluer. Il y a au moins les populations qui sortent de leur enthousiasme du début de mandat ou de leur mécontentement du début de mandat, ça dépend de là où chacun s'est situé, aujourd'hui ont de la teneur, ont quelque chose à faire valoir et à partager avec le chef de l'État. Donc voilà, le message de Assavet, Assavet qui l'a très bien accueilli, le message à Tchaourou qui a assumé malgré quelques agitations de certains, et Parakou surtout en apothéose, les messages sont complémentaires. On a parlé de paix, on a parlé de pardon, on a parlé de chantier, on a parlé d'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a du temps. Si c'était il y a 4 ans, on va dire quoi? Je promets, j'ai pris acte. Mais prendre acte des choses qu'on connaît, c'est bon. Donc, pour moi, que ce soit en campagne ou que ce soit en évaluation, là n'est pas. Aujourd'hui, c'est qu'un président qui est en fin de mandat, c'est comme un gestionnaire de projet. Il a le devoir de retourner voir là où il a mis, par rapport aux objectifs de départ, où est-ce qu'on en est au niveau de la mise en œuvre, s'il y a des rectificatifs à faire, qu'il continue ou qu'il ne continue pas, il a besoin de faire un rapport de fin de mandat. Et je pense qu'on peut inscrire ce voyage sous ce prisme-là. Donnons-lui n'importe quel angle, si vous voulez, on peut entrer dans le volet politique de ce voyage, parce que ça, on ne peut pas ne pas en avoir. Et depuis hier, et depuis les premières déclarations, ce 12, on commençait par quoi? C'est politique. Le pardon, il est politique. La réconciliation, il est politique. Et ainsi de suite. Faire la réconciliation avec Boni Yaï, c'est politique. Donc, on regarde, il y a un volet politique, mais il y a un volet aussi de développement. Lorsqu'on parle d'asphaltage, des chantiers pour Tchaourou, de l'eau pour Parakou et autres. Alors, Alphonse Wissoudé, est-ce que vous estimez également que cette visite de travail a une connotation politique? Savet, Tchaourou, Parakou, trois villes urbaines. Donc le choix de la première journée n'est pas anodin. Le chef de l'État a sorti deux mots, désamour, ressentiment. Ça veut dire qu'il y a des plaies à penser. Donc il faut d'abord penser ces plaies-là. Il faut réconcilier le cœur avant de aller sur... Quel chantier on a visité à Tchaourou? On n'a rien fait à Tchaourou, je ne l'ai pas dit, le chef l'a dit. Mais on a constaté que dans le cadre des élections dernières, la crise a commencé à Savel, Tchaourou et Parakou. Donc il faut d'abord aller à planer les difficultés. Et on a parlé de pardon. On a parlé de pardon parce que si vous voulez que les gens vous écoutent, il faut d'abord commencer par là. Et on a réussi. On a réussi. Donc d'abord, c'est d'abord politique. C'est d'abord politique parce que quand vous prenez les 54 villes, on n'a pas réalisé des ouvrages dans les 54 villes. Mais les trois villes, ces trois premières villes-là, tout le monde sait dans l'histoire récente du pays ce qui s'est passé. Donc, le chef de l'État a même demandé, quand il demande aux sages que l'on fasse la paix avec Boni Yaï, vous savez très bien que entre les deux, la guerre a commencé depuis 2012. Depuis la sortie de Boni Yaï, le 1er août 2012, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les deux s'en veulent. Or, les deux étaient des amis, donc... Des copains. La paix du Bénin dépend de ces deux hommes-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que les deux se réconcilient. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas intérêt que les deux se réconcilient parce que c'est une affaire d'intérêt politique, c'est une affaire d'intérêt économique. Derrière chaque homme, il y a des opérateurs économiques. Derrière chaque homme, il y a des hommes politiques. Que Yaï soit en difficulté, cela revient à dire que ses affidés auront des difficultés avec le pouvoir. Que Yaï soit en bon terme avec le président Patrice Talon, ça veut dire que ses affidés auront des avantages. Donc, il a estimé qu'il faut d'abord aplanir le chantier des émotions, des sentiments, et le reste, on parlera. Donc, je dis, c'est d'abord politique et c'est d'abord technique, parce que le chef de l'État, tout le temps, on lui a fait des fiches. Les ministres lui ont rendu compte de façon orale, mais il veut constater que ce qu'on lui dit est conforme à ce qui se passe sur le terrain. Parce que parfois, les gens vous rassurent que le travail est bien fait, mais quand vous allez sur le chantier, vous constatez qu'il y a un autre constat. Donc aujourd'hui, c'est son droit de descendre sur le terrain pour faire le bilan des actions qu'il a menées. Mais il s'est dit,
si je dois gouverner en paix, si je dois faire une tournée en paix, il faut d'abord que j'apaise les uns et les autres. Donc, il revient à ceux qui ont les amis qu'ils ont en commun, parce que je sais que le chef de l'État, Patrice Talon, et Yaïbo ont des amis en commun qui peuvent jouer le rôle de les calmer. Quand ils vont fumer le calumet de la paix, c'est pour le bien du Bénin. C'est pour le bien du Bénin. Alors, Joseph Perdonago, je me retourne vers vous. J'ai besoin de recueillir votre décryptage de ces propos-là. Le chef de l'État disait, moi, j'ai pardonné, la République a pardonné, l'État a pardonné, c'est à vous de pardonner maintenant. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? C'est insuffisant. Le chef de l'État est resté un peu en deçà de ce qu'il devrait véritablement livrer comme message profond à son peuple. Je le dis en connaissance de cause. Voyez-vous, et tout à l'heure, je ne voudrais pas faire une marche en arrière, mais je voudrais dire au bénéfice de mon confrère Agapit Mafourikan que c'est dans ce même pays qu'ils nous souviennent qu'il y eut un incendie sur un dépôt quelque part aux encablures de l'Atlantique. Et il y a eu des décès, des personnes ont perdu leur vie. Le chef de l'État était à l'extérieur. Et je me souviens comme si c'était encore hier, lorsqu'il est descendu, il a tenu un discours fort. On l'a vu. C'est-à-dire, ça c'est les premiers jours du politique. Et c'est-à-dire, il s'est rapproché de son peuple juste après son retour de voyage. Il a parlé, il a tenu un langage plus rapproché du peuple. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Le chef d'État a oublié son peuple. Il s'est retranché dans son tour d'ivoire. Dans sa tour d'ivoire. C'est ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est pas mauvais de le lui rappeler. Et d'ailleurs, il a pris à défaut ceux qui croient que tout était rose et que tout était lisse. Il les a pris à défaut. Le chef d'État s'est mis à genoux pour demander pardon. C'est assez profond. C'est assez profond. Le chef de l'État est allé a demandé à ce que... Et c'est là où moi je dis, ça manque encore de texture. Lorsqu'il dit qu'il s'en remet au sage pour que la réconciliation entre lui et son frère ennemi soit effective, je dis... Nous en revenons à ce paramètre tout à l'heure. Alors, c'est dire donc que... Mais d'entrée de jeudi, ton père Zonago, est-ce que ça vous paraît pas, ça vous étonne pas d'écouter Patrice Talon, qu'on connaît un peu atypique, dire « j'ai pardonné, je demande pardon, la République a pardonné, je vous à vous maintenant de pardonner. » Non, non, mais ça ne m'étonne pas. Quand on voit le contexte, quand on voit les 6 mois qui nous restent à franchir, c'est le langage qu'il faut tenir. Quand on repart en arrière, en 2016... Le même langage a été tenu. Je travaillerai avec tous ceux qui sont ici. Nous allons travailler pour remonter le pays, parlant de Tao Sofiano, enfin pardon, de Tao Renro, le chef de l'État qui l'embrassait par la droite, embrassait l'autre par la gauche. Et bien, c'était cela le langage qu'il fallait à ce moment-là. Le langage que tient le chef de l'État depuis quelques jours sied effectivement encore à cette période. La période qui nous projette vers les 6 mois à venir. Donc, quand on s'approche de cette période électorale, éminemment électorale, les candidats ou potentiels candidats changent de langage, ils vont avec un peu de miel et tout ce qu'on veut. Mais c'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Je ne serai pas non plus surpris. Lorsqu'il va remplir, le chef d'État va changer encore de temps, de langage. C'est propre aux politiciens. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris, chers confrères, lorsque le chef de l'État disait « celui-ci, c'est mon ami ». Il l'a embrassé et revient quelques mois après pour dire « Ah non, en matière de politique, il n'y a que des amitiés de circonstances. » Mais au moment où il le disait, il n'a pas dit que c'était des amitiés de circonstances. C'était à une période qui se prêtait à ce genre d'enchères. C'est-à-dire c'est de la propagande, c'est du marketing. C'est la même chose que nous sommes en train de faire à 6 mois de ce que vous savez. On vous aura compris, Joseph Perdonago, Agapit Napoléon Mafourikan. Est-ce que vous pensez que le message envoyé par le président Patrice Talon à ces populations, le message est véritablement passé? Plus les enjeux. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de rebondir parce que là, je ne suis pas du tout d'avis de Joseph Anango Perzo parce que je pense qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Et il va s'en prendre même à son propre jeu parce que le chef d'État, il fonctionne comme des cadres fonctionnaires. Je pense que je ne sais pas s'il a une démarche à la cartésienne, mais des cadres disent il faut. En chaque difficulté, les morceler en autant de parcelles que je ne puisse les résoudre. C'est simple. Le président, il est venu avec un projet de réforme. Il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé déjà par réunir autour de lui tous ceux qui sont prêts à le faire. Il a dit, je dois retoucher à la Constitution pour que le mandat soit unique.
il a tenté tout rassembler, sans demander quoi que ce soit, sans exiger, il a consulté tout ce qu'il pouvait consulter. Premier temps, les gens rejettent la révision de la Constitution. Il en prend acte, il ne fasse pas. Il crée alors son groupe, sa coalition politique. Donc il prend acte et il prend les mesures pour ne pas rester dans l'immobilisme. Il passe au second cap, les réformes politiques. Il les a fait avec qui? C'était des réformes inclusives, séminaires de parlementaires, de personnalités, avant projet de texte, proposition de loi. Les lois sont votées à l'unanimité pour l'achat des partis, à une voix près pour le code électoral. N'oublions pas ça. À leur mise en œuvre, les gens ne commencent pas à bloquer, pas crier. Il les réunit, aller trouver des solutions. Je suis prêt à tout, sauf tant que ça respecte la Constitution. C'est déjà, parce que là, on n'est pas d'accord quand il ne parle pas à son peuple. C'est déjà les partis politiques animent la vie politique. Et en regroupant ceux qui animent, on était dans le temps des réformes politiques. Les réformes politiques ne se font pas avec les populations à la base, se font avec les représentants des populations que sont les élus et les dons. À ce niveau, il faut déjà savoir que pour les législatives de 2019, le chef d'État a tenu deux séances capitales. La première, pour dire, ah, attention, il faut tout faire pour que les gens aient leur récépissé parce qu'on ne peut pas imaginer que les élections se fassent avec uniquement la majorité. Lorsque la Sénat a sorti la liste effectivement de la majorité, seul, l'UPBR, il a encore réuni et a chargé le président de l'Assemblée nationale d'une mission. Le président a presque trouvé la solution, mais le côté paritaire a sorti des propositions signées des différents membres. Mais qui est-ce qui ont remis en cause l'opposition, Eric Ondeté et Gabaya? Il faut le dire, du côté de FCBE, qui ont dit qu'il faut donner réception à tout le monde. Vous acceptez de travailler pour la paix et vous remettez tout en cause brutalement. Donc les institutions ont dit allons élections. Parce qu'on ne peut pas bloquer. Si on bloquait, les gens qui sont en face, qui ont signé aujourd'hui, qui demain sont revenus pour cracher dans ce qu'ils ont fait, vont revenir pour dire qu'il y a est vide. Donc, on est allé aux élections. Et c'est là que les troubles ont commencé. Si on ne fait pas cette genèse, on va croire que la gouvernance a été une gouvernance concertée, apaisée. Mais il y a en face des gens qui n'en avaient aucune ambition, aucune envie, qui voulaient tout bloquer. Et donc, c'était passé. Il y a eu les violences. Le 28, Parakou, Savet, Tchaourou et autres. Le premier Cotonou s'est embrasé. Les gens ont voulu. Heureusement que les populations n'ont pas suivi. Il y a eu ce qu'on a eu. Il y a eu le discours du chef d'État fermé. Il y a eu le dialogue politique. Et à ce dialogue politique, des gens ont participé. Mais les gens qui se sont ouverts au dialogue politique, on a dit quoi? On a dit qu'ils sont la troisième force politique du Parti Salon. Ça veut dire quoi? Ils s'ouvrent, ils offrent des portes de sortie. Donc ceux qui ont accepté, on dit qu'ils sont la troisième force politique du Parti Salon. Ça veut dire qu'il faut rester braqué, cambré dans son camp et être dans l'escalade. C'est là. Donc, pour dire que cette sortie, les sages de Tchaourou ont été reçus pendant cette crise-là. Ils ont tenu le langage et ça a fonctionné. Ceux-là sont des attirants de la paix parce qu'ils sont venus à Cotonou, ils ont discuté avec le chef d'État. Le président de la République, il gouverne de la capitale. Il a nommé des ministres, il a nommé des gens, il a des préfets. Les maires sont là. Chacun joue sa partition là où il est. Il n'a pas besoin de se promener pour prendre la mesure de la situation. Ça va se calmer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres, des messagers notables de Savet, on discute avec le président Talon. Donc, ces zones-là, sans que le chef d'État ait été obligé de se déplacer, il y a eu des séances. C'est pour dire quoi? La descente du président dans ces endroits n'est pas anodine. Et la réaction des populations non plus. C'est parce qu'il y a eu du travail dans l'ombre. Donc, ce n'est pas une affaire de la circonstance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Agapit Napoléon-Foy, quand vous me retrouvez à Alphonse Moïse Soudé, est-ce qu'aujourd'hui le message est passé? Mais est-ce qu'on a besoin même de regarder? Regardez la liesse à Savet. Regardez la liesse à Savet. Regardez ça. Regardez la posture à Tchaourou. Ce n'est pas la grande liesse. C'était l'écoute attentive. C'était peut-être l'expectative. Donc, il y a encore du travail à faire. Et à Parakou? Mais à Parakou, c'est l'apothéose. Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Parakou a voté massivement pour Patrice Talon au niveau des législatives. Parce que les FCBE y étaient, même sans Boniaï. Mais ceux qui sont sortis, quand vous regardez les suffrages, les FCBE, quand vous ajoutez maintenant le score de la majorité de UDBN
et des PRD qui n'ont pas été qualifiés. Vous regardez, au niveau des suffrages, les suffrages ont été en faveur de Patrice Talon par le coup que de FCBE, que de l'opposition. L'analyste ne peut que travailler sur la base des chiffres. Après, on peut généraliser et parler. Donc, c'est une ville divisée. Parce que c'est un conglomérat, c'est une ville cosmopolite avec un certain nombre donc, de courants, de sensibilités qui s'y cohabitent. Donc, Parakou était un peu le. Autant on sait que Chaveh et Tchaourou sont des fiefs carrément de l'opposition des villes vraiment rebelles, mais ce qui s'est passé à Chaveh était extraordinaire. À Tchaourou, gérable. À Parakou, l'apothéose. Quand vous voyez ça, vous devez saluer le management du chef de l'État. Vous devez saluer la clairvoyance des sages de ces localités, et vous devez saluer la maturité des populations. Est-ce que le message est passé? Pour moi, on n'avait même pas besoin de discours. Ce message est passé avant même que le chef de l'État se déplace. Alors, Alphonse Moïse Oudé, le chef de l'État, a pardonné. Il a dit que la République a pardonné, l'État a pardonné, et il revient à ses interlocuteurs de pardonner maintenant. Est-ce que vous pensez que ce message était opportun et qu'il a véritablement eu un impact sur les populations? Non, pour que ce pardon ne soit pas platonique, il faut poser des actes forts. Il faut poser des actes forts. Le chef de l'État a fait une gradation. J'ai pardonné, la République a pardonné, l'État a pardonné. L'amnistie était un acte fort. Non, l'amnistie est destinée à qui? À plein de gens qui avaient été condamnés, qui étaient en prison et qui, dont la procédure judiciaire. Je suis désolé de le dire. L'amnistie, c'était pour protéger ceux qui sont les instigateurs de ces actes de violence. Mais je dis, quand on dit qu'on a pardonné, parce que c'est, il faut globaliser, on a pardonné. Ça me rappelle le pardon de Boni Yayi. Quand on a pardonné, qu'on demande aux Béninois qui se sont vus obligés de quitter leur pays, de rentrer. Quand on a pardonné, on ne cherche pas à dépouiller les gens de leur bien. Quand on a pardonné, on peut demander à Soleil FM de reprendre son travail. Quand on a pardonné, il faut poser des actes forts. Sinon, ça va devenir un discours platonique. C'est-à-dire qu'après l'élection de 2021, on va ravaler ces bons messieurs et on reprend les mêmes choses. Je dis non, parce que la rencontre avec Boni Yayi sera soumise à des conditions. Moi, je dis, on n'a pas donné, on veut que tous les Béninois participent à la construction du pays. Et là, je suis d'accord. Atao Renouro, il n'est pas français. Djenotin n'est pas français. Adjavon n'est pas français. Komi Kouché n'est pas américain, n'est pas français. Ils sont béninois. On a besoin de tout cela. Parce que, quand je vous dis, derrière Boni Yayi, il y a des forces politiques. Derrière Boni Yayi, il y a des forces économiques. Et si vous voulez, parce que Boni Yayi, si vous demandez à Boni Yayi de se rencontrer avec Patrice Talon, il le fera. Mais il va demander que mes lieutenants rentrent au pays. Ils ne sont pas des Français. Alphonse Moïse Oudé, est-ce que le pardon du chef de l'État entraîne forcément une amnistie de tous ceux qui avaient des problèmes avec... Je ne parle pas d'amnistie. Vous savez, Tchaourou, tout le monde sait que c'est le fief de Boni Yayi. Et le chef de l'État a reconnu que Tchaourou n'a bénéficié de rien, qu'on va faire un chronogramme d'urgence pour Tchaourou. Ça veut dire quoi? Dans l'imaginaire populaire au Bénin, la ville de l'opposant est souvent délaissée. Votre nouveau pendant longtemps, quand le PRD ne faisait pas la politique n'était pas en bon accord avec le régime, votre envoi a été délaissé, beaucoup d'autres villes. Donc je dis, ce pardon regroupe beaucoup de choses. C'est déjà heureux que le chef de l'État est reconnu, parce que celui qui demande pardon, celui qui dit que j'ai pardonné, et qui demande aux autres de pardonner, il sait qu'il y a des armées tubes. Mais je dis, pour que le pardon soit vraiment effectif et réel, ceux à qui on demande de pardonner, ils ont besoin des actes forts. Dernière question à votre endroit, Alphonse Moïse Oudé. Je disais tantôt, est-ce que ce pardon serait synonyme d'oublier carrément ceux qui ont des problèmes avec la justice? Non. Non. Mais est-ce que parce qu'on veut pardonner, c'est qu'il faut, de garantir, qu'il faut oublier c'est ceux de qui... garantir à ceux-là une justice équitable. Moi, je ne dis pas de dire, bon, écoutez, vous avez été accusé de patati patata, rentrez chez vous, on oublie. Non, c'est de leur donner l'opportunité de se présenter devant la justice et de jouir d'une justice équitable. C'est là le problème. Je ne dis pas d'absoudre tous ceux qui ont commis des fautes dans la République. Chacun doit payer pour ses fautes. Ceux qui ont fait yo-yo avec le bien public, ils doivent payer. Mais il faut que cela soit établi dans les règles de l'art. Ce n'est pas la peine d'envoyer devant les gens, devant la criette, oh, on vous tape 5 ans, on vous tape 10 ans, on vous tape 20 ans.
Ah non, il faut maintenant que les gens soient jugés conformément aux lois de notre pays. Conformément aux lois de notre pays. Alors, à Parakou, le président Patrice Talon a évoqué un nom. L'ancien président Thomas Bounyahi, il a dit ceci, je cite, « Je vous demande, vous, sage et notable de Parakou, à travailler à ma réconciliation avec mon aîné Bounyahi. Bounyahi et moi, nous étions comme deux petits frères et grands frères. » Joseph Perzanago, ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, vous croyez que cette réconciliation est encore possible? Est-ce que la fracture n'est pas arrivée à un niveau où se réconcilier serait peut-être plus théâtre politique? Non. Je dis dans ce pays, pour ceux qui ont une idée de l'histoire de ce pays, ils sauront qu'il y a eu des situations assez profondes, assez difficiles, à la limite inimaginables en termes de correction, mais qui aujourd'hui ont trouvé des solutions. La conférence nationale est là pour nous rappeler plein de choses. On a vu Mathieu Kérékou embrasser Bertin Borna dans ce pays, celui qui a été condamné à mort sous son régime. C'est dire donc, à la date d'aujourd'hui, nul n'a été condamné à mort, même si les condamnations présagent de la mort morale de certaines personnes. Alors, je voudrais dire ceci, mais il y a une grosse erreur d'appréciation qu'il faut s'éviter d'avoir. Le président de la République, le chef de l'État, le premier des Béninois, le premier magistrat, si on veut, est seul en mesure de prendre son téléphone ou je ne sais quel autre moyen, de lancer la première démarche de réconciliation avec ceux d'entre ses frères ou compatriotes qu'il voudrait vraiment avoir en amitié ou en fraternité. Ça n'est pas le job de sage, fut-il sage. Et donc, moi je suis en train de faire une lecture qui pourrait déplaire à certains. Je dis, le chef de l'État ne veut pas encore de réconciliation avec son frère ennemi, Yahi Bouni. Mais est-ce que vous ne pensez pas, lorsqu'on connaît un peu le président Bouni, et aussi lorsqu'on connaît un peu, lorsqu'on a une idée du niveau de cette fracture, oui, est-ce qu'on ne pense pas que si les deux entre eux ne pourraient pas gérer cela et qu'on a besoin peut-être d'une médiation? Non, mais je dis non. Je dis encore non. Lorsque les deux étaient des amis, il n'y avait pas toi, Kader et moi qui avions servi à quoi que ce soit. Je n'avais pas vu de sage à cette époque les mettre en business ou en partenariat. Le président Stallon sait comment engager les démarches consensuelles avec ses compatriotes. Maintenant, si aujourd'hui il s'en remet au sage, c'est que le président me donne l'impression de ne pas encore être prêt pour se réconcilier avec certains. D'avec certains. Alors, lecture est simple. La lecture est simple selon Joseph Perzanago. Agapit Abdoulaye Fréquin, ma question avant d'en, c'est de savoir, est-ce que vous croyez à une réconciliation Patrice Talon-Bounyahi, et si cette réconciliation-là devait être effective, quelle serait la contribution de Bounyahi pour que cela soit véritablement effectif? D'abord, on ne peut pas présager de la volonté des gens. Moi, je pense qu'a priori, quelqu'un exprime une pensée, on a le devoir de le croire. Hein. Donc, pour moi, je n'aime pas lire dans les... Comme je vous l'ai dit, lorsque vous signez dans le comité paritaire, le lendemain, vous demandez, vous joignez votre signature sans raison, en retournant à la case départ, vous n'êtes pas sérieux. Et qui est votre chef, Bounyahi? Le tout le problème est là. Quand on ne va pas tenir cette corde, on va penser que quelque chose de dramatique se passe. On a dit qu'il faut garantir aux gens juridiques. Quand j'ai noté, on le convoque pour un document, pour un présumé délit, il doit d'abord répondre. Lorsque vous êtes contribué, vous êtes justiciable, vous répondez à la justice. Vous ne pouvez pas dire, les garanties sont là, ancien garde des Sceaux, ancien ministre de la justice, et vous dites que la justice ne pas. Ça veut dire que vous-même, vous étiez théâtral. Le pouvoir divin a-t-il dit quand il était ministre de la justice? Alors, pour une infraction, on ne l'a pas encore, il n'était pas condamné, il n'a pas été. On l'a convoqué, il reçoit une convocation, il disparaît. Prenons, on dit qu'il faut garantir la justice, mais tout le monde, et les autres qui sont soumis, et les autres contribuables, à qui on garantit la justice équitable? Si elle n'est pas équitable, c'est qu'elle n'est pas équitable pour tous. Et si elle est équitable, elle est pour tous. C'est notre justice. Elle a ses torts sans doute, elle a ses limites sans doute, elle a également ses qualités. À dès lors, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Donc moi, je ne sais pas pourquoi on va garantir une justice équitable à quelqu'un, à certains, et une justice non équitable à d'autres. Notre justice est équitable sur le principe. Sur le principe. Après, il faut très bien que nous sachions. On a demandé quelle est la meilleure constitution, on dit pour quel peuple et à quelle époque. Nous avons aujourd'hui la société que nous méritons. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire
sur un certain nombre de trucs, etc. Mais ce n'est pas pour la raison que je vais aller chercher dehors et jouer au bashing et faire tout pour salir l'image. Et quand vous avez assumé des hautes responsabilités, vous devez l'incarner et savoir raison garder. Moi, je dis, il y a un certain nombre de déclarations que j'ai eues des compatriotes qui ont assumé des hautes fonctions ici, qui ont soumis d'autres à d'autres exigences, à d'autres rigueurs, qui ont été artisans d'autres procès. Et je me demande s'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font. Donc, cette question de faire rentrer tout le monde, est-ce qu'on a fait sortir quelqu'un? Voilà la question. Pour moi, on n'a pas fait sortir quelqu'un. Jean-Bédel Bokassa, ancien empereur de Centrafrique, condamné à mort, a débarqué un jour en Centrafrique. On dit, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, je suis rentré dans mon pays pour y être jugé et pour y être condamné et y vivre. Ça veut dire quoi? Il est resté au pays, il a été rejugé, il a été d'abord arrêté et puis progressivement. Il faut assumer. Et lorsque vous n'êtes pas capable d'assumer, vous n'êtes pas responsable. Moi, je le dis toujours. Par Bouyaï et Patrice Talon. Oui, c'est là, parce qu'on joue au chantage, on joue un peu à tout ça qu'il faut faire. Si on appelle, on parle d'exilé politique, on appelle quoi exilé politique? Donc, est-ce que vous croyez à cette réconciliation? Berzo a répondu, et je suis d'accord avec lui. Tout est possible. Mais le problème, c'est Bouyaï, ce n'est pas Talon. Parce que celui qui est au pouvoir est au pouvoir. Et lui-même a été là. La fonction présidentielle, quand vous avez assumé de petites responsabilités, vous savez que vous ne pouvez pas faire des choix sans mécontenter. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sans faire mal. Vous ne pouvez pas agir sans frustrer. Sans frustrer. Donc, sauf affaire de l'immobilisme, et Yaboliaï, comme nous l'avons beaucoup soutenu, est le symbole de cela. Quand tu démarres, il est dans un élan, vous y allez, et après il fait marche à reculons parce que ça bouillonne. Mais on ne peut pas avancer, aucune société ne peut se développer dans ces conditions-là. Et à un moment donné, il faut assumer ses choix, même les plus impopulaires, quand c'est le bien du peuple. On vous a élu pour le bien populaire, ce n'est pas nécessairement pour faire rire les gens, parce que le développement, il doit être durable, c'est-à-dire assurer aujourd'hui et penser demain. Est-ce que la réconciliation de Bouyaï est talon? Oui, absolument. C'est possible. Mais quelle est la contribution de Bouyaï? Pas dans le contexte actuel. Il n'y aura pas de réconciliation avant la présidentielle prochaine. Vous savez, parce que les enjeux sont encore là. Bouyaï a rêvé d'estabiliser son vis-à-vis. Parce que, pense-t-il, l'autre ne lui a pas rendu le mandat facile, il va le lui rendre. Il a tenté, d'une manière ou d'une autre. Parce que pour moi, on aurait dû avoir ces lois dérogatoires en mars 2019, qu'on ne serait pas, il y a beaucoup de choses qui auraient pu avancer. On aurait pu, un mot de Bouyaï lors de la conférence du dialogue politique, qu'on aurait pu, Bouyaï était rentré sous l'égide de la délégation de la CEDEAO et du président Ousmane, pour pouvoir rencontrer Talon, mais ça n'a pas eu lieu. Donc il y a eu des occasions ratées, et Bouyaï sait bien qu'il joue, le temps. Et il joue les opportunités. Donc, le moment viendra où il n'aura plus de marge. Mais aujourd'hui, avec... Le moment viendra où il n'aura plus de marge. Et donc, il y aura la réconciliation. Puisque aujourd'hui, il pense qu'il a encore de la marge. Il n'y aura pas de réconciliation avant la présidentielle. Il n'y aura pas de geste, de mots. Il va monter les enchères. C'est comme ça le paysage politique. Parce que c'est lui n'est pas demandé encore. Et donc, il montera les enchères. Mais quand il va commencer par perdre progressivement des plumes, il comprendra qu'il n'a plus de marge, peut-être qu'il va se rapprocher. Il va se rapprocher. Alors, Alphonse Moïse Soudé, ma question à votre endroit. Lorsqu'on sait que chaque fois que le président Patrice Talon sort, au lendemain ou les jours suivants, Bouyaï réagit, quelle sera la réaction probable de Bouyaï aujourd'hui et quelle est sa contribution pour, cette réconciliation? Lorsque l'on sait que l'antagonisme qu'il y a entre les deux est préjudiciable à la paix et à la cohésion nationale. Non, vous savez, c'est vrai qu'on n'a jamais obligé quelqu'un à quitter le pays. Il faut assumer. Ça ne date pas de maintenant. Des gens ont fui le pays. On a pardonné. Ils sont rentrés. Et puis, basta. On a continué. C'est comme ça, là. La roue tourne. On ne peut pas transformer l'informel en formel. Il faut bien que nous restions dans le formel. Je n'ai jamais dit qu'il faudrait transformer. Mais je pars de votre argumentaire pour vous dire... Oui, moi, je suis formel. Okay. Je reste dans le formel. Okay. Deuxième chose... Oui, Alphonse Moïse aussi. Le problème de réconciliation entre le président Talon et Bouyaï, ce n'est ni Bouyaï ni Patrice Talon. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui ont demandé à Bouyaï d'arracher le projet... le PVI chez Patrice Talon, ils sont encore dans le schéma, ils sont encore dans les sérailles. Du côté de Bouyaï, il y a des gens qui disent attention, va pas là-bas. Il y a des gens, vous savez, Bouyaï et Patrice Talon étaient des amis, des frères.
ils ont géré ensemble, ils ont gouverné ensemble. Mais l'association de ces deux hommes-là bloquait certains noms d'intérêt. Et je dis et je répète, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt. Bouni Yayi, Patrice Talon se réconcilie. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt que Patrice Talon se réconcilie avec Adjavon. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt qu'il y ait réconciliation. C'est à ceux-là qu'il faut parler. Parce que si chacun dit non, ne va pas avec Bouni Yayi, attention, c'est un monsieur qui ne reste pas tranquille. On va dire ne va pas avec Patrice Talon, attention, c'est un monsieur qui ne respecte pas sa parole. Le problème, c'est quoi? Il faut d'abord poser des actes forts. On peut réconcilier ces deux hommes-là. Le temps est le père de la vérité. En posant un certain nombre d'actes, la réconciliation va se gérer d'elle-même. Mais dire qu'on va rester là, aller chercher Bouni Yayi, s'asseoir devant Patrice Talon pour parler, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que dans le cœur de l'un et comme de l'autre, il y a encore des blessures qu'on n'a pas pensées. Vous savez très bien qu'en 2012, tout ce que le président Bouni Yayi a dit de Patrice Talon, il n'a pas encore digéré. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Donc je dis, il faut laisser le temps au temps. Ceux qui vont jouer les bons offices, ils vont s'en mettre plein les poches. Ne nous trompons pas. Ceux qui vont dire, bon, nous on est sages, ils vont bomber le torse pour dire, on va rencontrer Bouni Yayi. Ils auront leur pactole. Ceux qui vont de l'autre côté, ils auront leur pactole. Et tant que ces pacteurs sont rassurés, ils n'ont aucun intérêt que les deux hommes se mettent ensemble. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, si on demande que l'on reconcilie les deux hommes, chacun va poser ses exigences. Chacun va poser ses exigences. Alors, avant de revenir à Joseph Pézanagou, j'avais envie de vous poser une question. Dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, quel serait l'impact de cette réconciliation sur le climat politique, sur le pays? Ah oui, ça va apaiser. Bouni Yayi a dit qu'on lui a arraché son bien en griffe la FCE. Il a estimé que ça sent bien, que ce n'est pas ce qu'il a construit au départ. On lui a arraché son bien. Donc il veut qu'on lui restitue en griffe son bien. Il veut que ses affidés retrouvent leur place en fonction de leurs compétences. Que ses affidés, qui sont des opérateurs économiques, participent désormais à l'animation de la vie économique. Donc c'est pourquoi j'ai dit le président Bouni Yayi, avant d'aller à la réconciliation, il va poser ses exigences. Et le président Patrice Talon aussi ne va pas rester sans poser. Il pourrait dire éventuellement à Bouni Yayi, on se réconcilie. Mais tu cesses de te promener en griffe dans le pays. Tu cesses de me perturber. Parce que de chaque côté, pour qu'il y ait une véritable réconciliation, chacun va poser ses conditions. Et ce n'est pas évident que l'un accepte de respecter les conditions de l'autre. Que respecter les conditions de l'autre. J'ai lu sur la toile hier, Joseph Pézanagou, quelqu'un qui disait ceci. Je vais poser la même question peut-être à Agapit Napoléon-Fouricain. Il disait, le jour où Patrice Talon et Bouni Yayi se réconcilient, les deux vont malmener le pays. Qu'est-ce que vous pensez qu'il dit par là? Non, mais écoutez, tout le monde se prend, je dis, pour analyste, stratège, tout ce qu'on veut. Bon, ces gens d'élucubration, moi, je les prends pas au premier degré. Je suis désolé de le dire. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire qu'il n'est pas donné à tout le monde d'analyser ce qui se passe. Pour lui, c'est qu'il n'y aura plus d'opposition, en quelque sorte. Non, non, mais bon, enfin, pardonnez de ne pas revenir là-dessus. Je ne vous ai pas fait de jugement de valeur. Mmh. Je dis seulement, ça ressemble à ni plus ni moins à des élucubrations. Et chacun est libre aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de s'y mettre. Mais je voudrais dire ceci. Cessons d'évoquer ce baromètre qui n'en est pas un, à savoir le dialogue politique qui a été évoqué, rebâché. Mon confrère Mafourikan est revenu là-dessus. Je dis non. Cela a cessé d'être un baromètre depuis longtemps, depuis que ceux qui ont participé à cela et qui ont servi de faire valoir, je veux citer les FCBE, ont dénoncé ce qui s'y est passé. Nous n'avions pas abordé tel aspect. Et puis, vlan, on apprend un beau matin qu'on est passé à telle étape. Ils l'ont dénoncé. Ils ne sont pas heureux des résultats issus finalement de ça. Mais ce n'est pas mon professeur Topano qui me dira le contraire. Donc ça a été une véritable, certains diraient arnaque. Je ne voudrais pas parler d'arnaque. Non, ça a été une véritable petite trahison qui est passée, mais qui a servi des intérêts donnés. Je voudrais qu'on close ce débat pour dire ce n'est pas un baromètre à partir duquel il faut mesurer. Ce n'était pas votre question. Maintenant, je voudrais venir à votre préoccupation. Alors, tout ce qu'on raconte par rapport à Yayi Bouni et Talon, ils ne réussiront jamais à faire ci ou à faire ça. Moi, je ne suis pas allé dans leur cœur, mais je suis en train de dire ceci. Ce pays a un esprit. Nous avons aussi des règles, des normes. Et pour peu qu'on revisite l'histoire de ce pays, on se rendra compte que les gens ont été dans l'antagonisme le plus profond, le plus poussé. Ils sont réconciliés. Ici, sur ce plateau, il nous est arrivé sûrement de ne pas nous entendre et même de finir par nous entendre. Ça dit, c'est ça, cela fait l'âme de ce pays. Et donc, que Yayi Bouni le veuille ou pas, que Patrice Talon le veuille ou pas,
ils sont appelés à s'embrasser, et sincèrement en plus, un jour. Je voudrais dire ceci, pour ceux qui croient qu'il s'agit, ça, mon confrère d'à côté l'a dit rapidement, ceux qui pensent que les profiteurs d'un cas ou de l'autre seront les empêcheurs de tourner en rond, je dis encore que c'est faux. Pour l'histoire toujours, et je voudrais en appeler à la réminiscence de mon confrère Agapit, enfin Soudé ici, pour dire quoi. On nous a dit, et on a vécu, vous avez vécu la conférence nationale. À un moment donné, le général Kérékou a pris de court certains de ses ministres, les plus durs, les faucons même du gouvernement ont été pris de court. Il est arrivé à un moment donné où Mathieu Kérékou a dit, je voudrais aller dans ce sens. C'est ainsi qu'il est arrivé, je suis sûr, au cours de sa gouvernance, que le président Talon a dû déplaire à certains de ses ministres, même les plus écoutés, en disant non, moi, Talon, Patrice, je voudrais aller dans ce sens. Et donc, quand l'heure sonnera, y compris Yaï Boni, y compris Talon, diront à ceux qui sont soupçonnés, véritablement ou non, de les pousser à l'extrême, il arriverait un moment où ces deux personnages diront non, laissez-nous les baskets, on voudrait plutôt obtenir tel résultat. Donc, d'abord, cela vient de soi. Je ne suis pas certain que ce soit, même si c'est des conseillers qui ont soufflé à l'oreille du chef de l'État, d'aller demander pardon ou d'aller quérir la médiation des sages, il revenait au chef de l'État et dit, je ne dirai pas. Ah non, 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 ce n'est pas de ma nature. Pourtant, il a dit, ça veut dire quoi? Il y croit. Le jour où le président Talon va décider de se réconcilier avec Yaï Boni, il n'y aura pas d'intermédiaires qui s'y opposeront. Moi, c'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Ils ne sont pas dans le Alors, Agapit Napoléon Africain, nous sommes en train de faire le dernier tour de table sur ce sujet. Réconciliation Patrice Talon Boni Yaï, que présage l'avenir après cette réconciliation? Pour moi, ce n'est pas vraiment l'objectif. Pour moi, c'est vraiment pas. C'est pas du tout quelque chose. C'est pas un fait majeur, c'est mineur. C'est pas du tout un fait majeur. C'est mineur. Personne a dit une partie. On n'a pas besoin de ça pour avancer. Ce dont on a besoin, c'est de régler les problèmes du peuple. Et le problème du peuple, c'est que quand tu tiens aujourd'hui Cotonou, je ne dirais pas que c'est le fait seulement de Patrice Talon, mais de 90 à aujourd'hui, tu vois le progrès, tu vois les avancées. Comme on parle de pavés dans Cotonou, aujourd'hui on parle d'asphaltage, on parle d'assainissement, on parle de voirie, on parle de gestion des déchets. Voilà ce que nous attendons. Quand au moment on parle de cantine scolaire, moi je dis j'ai grandi au village, c'est de quoi il est question. Et quand je suis dans le pays, je vois des gens marcher sur des kilomètres pour aller à l'école. Il faut que leur assurer un repas, c'est de ça qu'on parle. On parle de l'assainissement du service de santé, on parle de la gestion de l'éducation. Les problèmes au sommet entre des personnalités qui en ont vu, qui ont touché, qui ont vu, ça c'est leur problème, c'est des problèmes de confort. Hein? La réconciliation pour le Yaï, par exemple, c'est un problème de confort. C'est-à-dire que c'est entre deux personnalités qui vont finir par se croiser en tant qu'ancien président de la République, tout au moins. Tout au moins, en tant que président de la République, que Dieu nous prenne vie et santé, puisque on en a vu ailleurs. Vous savez, la sagesse voudrait que celui qui vient, faut que quand vous avez précédé quelqu'un aussitôt, que vous puissiez utiliser une âme majeure qu'on appelle le silence. Si vous avez envie d'en dire trop, vous allez vous coincer. En tout cas, le couvert de la belle leçon de 90 à 80, de 91 à 96. On a, ce monsieur a été hué, on lui a lancé des pierres. Quand il faisait la campagne de 91, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? On lui a raconté les gens. Mais c'est les mêmes qui sont allés, les hommes politiques, qui l'ont craché, qui l'ont jeté aux orties, qui sont allés le cueillir, le sortir de sa tanière, ou bien de sa filao, en 95, ou d'utiliser un autre candidat en 96. C'était inimaginable, c'était impensable. Pourquoi? Son silence. Pendant que l'autre était en scène, parlait. Et Mathieu Kérékou le même. Belle leçon encore à Boni Yaï, pendant le quinquennat 2006-2011, il n'a pas bougé. Il est resté quoi dans son coin? Il sort quand il peut, il reste là. Et quand il sort, vous voyez comment les gens sont heureux de le croiser. Ce monsieur perd son âme, il y en a qui lui en veulent, c'est normal, mais je vous dis, c'est l'artisan de paix. En 2011, lorsque tout est bloqué, les élections, tout était bloqué, on a eu recours à qui? À Mathieu Kérékou. À Zinsou. Mais Mathieu Kérékou, le prédécesseur, pour calmer le jeu. Il n'était pas tout d'accord avec ce que je faisais par Boni Yaï. Il avait plein de choses à dire, mais il a gardé son silence. Ce que le président Yaï n'a pas, c'est le silence. Et il faudrait que nous le disions. Moi, j'ai soutenu. Et je dis, le président Yaï, il a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas. On ne peut pas effacer les 10 années Yaï. Mais le président Yaï a un problème d'autodiscipline, de gestion de soi, de management de son environnement, de son moi. Et quand ce n'est pas géré,
on en arrive. Ce n'est pas les gens qui veulent ça. C'est lui-même qui doit se gérer. Et c'est parce qu'il ne sait pas gérer qu'autour de lui, ça fait pagaille. Et les gens que l'on dit qu'ils sont, allés, les FCBE là, mais c'est qu'il y en a des faucons, il y en a qui ne veulent pas se saborder. Et qui ont dit, mais quand même, on ne va pas pour rien continuer à suivre un homme, alors on ne sait pas là où on va. C'est eux qui sont FCBE aujourd'hui. Ils ne sont pas talents. Ils ne sont pas talents. Aujourd'hui, il y a les gens abandonnés, ils sont peut-être presque en roue libre, mais ils essayent d'incarner une certaine opposition. Moi, je pense que le président Yahi a encore de la marge. Je pense que pour une énième fois, la main lui est tendue. Moi, pour la postérité, il peut la saisir. Comme il peut ne pas la saisir. À mon avis, c'est son problème. Lui, là, quelque chose que moi, je n'ai pas, il a assuré deux mandats présidentiels. Ça lui restera à vie. C'est pas un citoyen comme n'importe lequel. Donc, s'il veut, il saisit. Et l'histoire retiendra qu'il a saisi. Le président Zinsou a été condamné à mort par le régime du PAPB. Ce même Zinsou a été conseil spécial de Mathieu Kérékou après. Et il a été conseil spécial de Soglo, conseil spécial de Kérékou. Et lorsqu'on lui a demandé de comparer les deux, il a schématisé en quoi? Il dit, la différence est tellement simple. Quand tu demandes à rencontrer Kérékou Soglo, il parle et tu l'écoutes. Et quand tu demandes à rencontrer Kérékou, tu parles et il t'écoute. Et donc, quand Kérékou demande à te rencontrer, tu parles et il t'écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les ressentiments, malgré le Sissou Lolo, à la jette de Gobiranda, toutes les chansons qu'on avait eues pour attaquer Sissou, le même régime, le même Kérékou a pu travailler et lui en sait gris. Donc c'est pour dire, tout simplement, pour répondre alors une fois pour de moi à votre question, oui, la réconciliation est possible. La main tendue, c'est celle de Patrice Talon, c'est pas la première fois, c'est-à-dire une énième fois. Si Patrice y veut, il la saisit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit terminer avec la démocratie a besoin de bouillonner. Nous avons fait un choix de démocratie libérale, pluraliste. Donc, nous devons le monolithisme qu'on a tenté en 1996 avec quand tout le monde a soutenu. Et Kérékou, ça va dans la. Ça ne profite pas. Il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait une opposition qui travaille, qui ait une alternative à présenter. Donc, même s'il doit s'entendre. Il ne faut pas qu'ils s'entendent pour mener le pays. Moi, je pense qu'il faudrait qu'au-delà de leur entente, qui est une attente de confort pour moi, il faudrait qu'à côté du pouvoir, il y ait une opposition qui ait les moyens de sa politique et qui nous propose une alternative. Qui nous propose une alternative. Alors, Alphonse Moïse Soudé, dites-nous, les impacts de cette réconciliation, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous pensez que Boni Yahi et Patrice Talon peuvent se retrouver dans les commodités d'avant 2012? Non, j'ai dit le temps est le père de la vérité. Le temps nous dira ce qui est possible, ce qui est faisable. Mais aujourd'hui, en l'état, il n'y a que dans l'un ou l'autre camp, il y a des personnes qui en souffrent. Quand les éléphants se battent, ce sont les élèves qui en pâtissent. Mais je dis, ce qui intéresse les Béninois, c'est que la minorité ne soit plus riche au détriment de la majorité. La majorité a envie de goûter au bonheur. La majorité a envie de se faire soigner. La majorité a envie de prendre de l'eau potable. La majorité a envie d'envoyer les enfants à l'école et d'avoir des enseignants compétents. La majorité a envie d'avoir de l'électricité. Donc je dis, il faut que... Parce que je refuse que l'on compare la gestion de Boni Yahi à celle de Patrice Talon. C'est parce que nous ne voulons pas continuer avec le système Yahi que les Béninois disent, nous ne voulons pas de Zissou, nous voulons de Patrice Talon parce qu'il pourrait faire notre bonheur. Donc, si vous comparez des choses comme ça, ça va poser problème. Mais ce que je dis, c'est un problème de tempérament. Le tempérament de Boni Yahi n'est pas celui de Patrice Talon. Mais malgré ce tempérament, avant 2012, ils étaient très coquins, très coupins. Mais ils étaient des amis. L'un était dans l'ombre de l'autre. Mais aujourd'hui, ils étaient des amis politiques. Et je dis... Mais il s'agissait d'un partenariat de circonstances d'alors. Le chef de l'État est le premier responsable du Bénin. Et il a tout intérêt à diriger un pays pacifié. Il a tout intérêt que toutes les compétences nationales se réunissent autour de lui, quel que soit leur bord politique, pour participer au développement de notre pays. Alors, Joseph Perzonago, nous allons évoluer dans ce débat. Il ne nous reste que quelques 15 minutes. Je vais refaire un petit tour de table sur la présidentielle de 2021. Le parrainage continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Nous avons vu également le professeur Joël Aivoire qui effectue quelques sorties. Il en a abordé également. Et peut-être en quelques minutes à la fin de l'émission, vous avez dit quand même un petit commentaire sur l'actualité en Côte d'Ivoire qui cristallise quand même les regards un peu dans la sous-région ouest africaine. Alors, Perzonago, dites-nous, la présidentielle de 2021, elle a quelques mois, cette présidentielle.
présidentielle, le parrainage, il est maintenu. Comment pensez-vous que l'opposition puisse rentrer en possession de ces parrainages nécessaires et déterminants pour toute candidature à cette élection présidentielle? Cher confrère, votre question, à n'en point douter, ressemble à une réponse, d'autant qu'elle est chargée d'appréhension, voyez-vous. Mais je m'en voudrais de ne pas dire, avant de répondre à cette préoccupation que vous aviez émise, je m'en voudrais de ne pas dire que celui qui détient aujourd'hui la clé de réconciliation ou non dans ce pays reste encore le chef de l'État. Et ça, je voudrais clore ce débat en insistant là-dessus. Ce n'est pas... Mais lorsque je n'ai pas envie de me décider, mais lorsqu'on sait la connotation qu'ont les sages et les notables en Mulunago, est-ce que cette contribution ne sera pas vêtue de mise? Mais le parrainage pour la présidentielle... Oui, donc c'est clair. Le président Patrice Talon a la clé de la réconciliation avec ses compatriotes. Un point, un trait. Maintenant, le parrainage, vous l'aviez dit avec assez d'appréhension dans la voix, parce que vous savez que c'est dangereux, cette affaire-là du parrainage. Parce que le parrainage est tombé comme une mèche de cheveux dans une soupe. Et pour, cristalliser les contradictions au niveau de la classe politique. C'est bien dommage. Pour ce qui me concerne, sautez-moi ce verrou de parrainage et vous allez voir, le Bénin va organiser les meilleures élections, l'une des meilleures élections de son histoire. Ça va apaiser les tensions. Ça va améliorer le vivre ensemble. Améliorer la cohésion nationale qui est à mal en ce moment. Bon, ceux qui veulent le maintenir, le parrainage, savent pourquoi ils veulent le maintenir. Pour davantage créer l'exclusion. Maintenant, l'opposition, vous l'aviez évoqué. Mais dans ces conditions, telles que tout se profile, où aujourd'hui nous ne savons pas quel est le visage, quel sera le visage même de la liste électorale qui doit nous conduire aux élections à venir. Nous avons une assemblée où il n'y a pas une once d'opposition. Où tout se dit... À la limite, on a même l'impression que tout se dit en dehors de l'hémicycle et est validé juste en quelques minutes au niveau de l'hémicycle. Ce genre de système ne peut nous conduire à une élection inclusive. C'est important de le notifier. Et donc, j'ai dit, l'opposition, c'est vrai, fait des pieds et des mains pour tenir. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un certain, vous l'aviez évoqué tantôt, qui a ouvert les brèches. Et le président Talon et les partis satellites qui soutiennent le chef de l'État devraient, en principe, s'en réjouir. Voilà, par exemple, un pays où tout a été bloqué, où il n'y avait pas de voix discordante, où on était même arrivé, et ce n'est pas mon confrère Maforikan Agapit qui va me démentir, où on en est arrivé même à se dire il n'y a plus d'opposition. Certains même prêtent carrément le parti d'accuser l'opposition comme quoi elle n'a pas de repère, elle n'a pas... Non, mais elle a été verrouillée, elle a été rendue inexistante par le système politique mis en place par la mouvance politique. Et donc, on en était là lorsque quelqu'un surgit. On n'y avait pas cru. Un certain Joël Aïva surgit de nulle part. Parce que de nulle part, il faut le dire aussi. Et bon, il a tapé dans la fourmilière, il a commencé par aller et venir. On n'y a pas cru, on l'a laissé. Et après, on commence par se demander, mais attends. Je dis, c'est la mouvance présidentielle. On commence par se demander, mais attendez, celui-là, il risque de faire mal. On commence maintenant par l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses ambitions, à savoir aller au-devant des populations de son pays. Je l'ai dit à l'entame de ce plateau, on a le droit autant que nous sommes... Là, vous faites référence à l'incident du samedi dernier. Mais... Ah, plein d'autres incidents, il y a eu un riz bien avant samedi dernier. Ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation. Oh, je vous en prie, le chef de l'État a demandé que les autorisations vont rencontrer la population. C'est un Béninois, avant tout. Donc je dis... Vous parlez du chef de l'État, vous parlez des citoyens. Oh, je vous en prie, le chef de l'État n'en est pas moins citoyen de ce pays. Et notre loi fondamentale est claire là-dessus. Je mets au défi quelques préfets, maires ou chefs de quartier que ce soit, d'aller affronter l'article 25 et autres de notre constitution qui nous confèrent ces droits, d'aller venir. Le Béninois a été moulé dans ça. Et nous ne sommes pas un pays en autarcie. Ailleurs, c'est ça qui fait l'essence même de la démocratie, de la démocratie. Et de vivre ensemble. Et donc, commencez par empêcher quelqu'un d'y aller. Mais, je disais, j'évoquais le nom de Joël Aïva tout à l'heure pour dire qu'il a ouvert la brèche. Et quelque part, n'aurait-il pas amené le chef de l'État à se mettre en tournée parce qu'il l'avait invité. Il lui a dit, descendez dans les
arènes, monsieur le président de la République, parce que votre pays, vous ne le visitez pas, vous ne le comprenez pas. Le chef d'État disait à un certain Lionel Sissou, vous ne connaissez pas le Bénin. Et à Joël Aïvoire de lui dit, monsieur le président, vous ne connaissez pas suffisamment le Bénin. Ah, mais le président dit, mais tiens, c'est pas vrai, je veux connaître le Bénin. Et là, il est en train de connaître le Bénin. Agapit Napoléon Maforika, votre commentaire. Les Paracois, nous sommes d'accord avec vous, puisque le Paracois qu'il a vu en novembre 2016 n'est pas le Paracois qu'il allait visiter 4 ans après. Donc, je ne pense pas qu'il soit totalement d'accord. Et le maire CBE de Savet ne doit pas être d'avis avec vous, puisqu'il a reconnu les réalisations du gouvernement Talon pour la ville, pour la mairie, même s'il en demande encore. C'est ça, c'était juste. Alors, Aïvoire ne vient de nulle part. Aïvoire ne vient pas de nulle part. Aïvoire était du système. Aïvoire a contribué à la rédaction du projet de société de Patrice Talon. Il était dans le comité de révision de la Constitution qui avait été mis en place au départ. Aïvoire, après, ne s'est pas retrouvé dans le système parce que, bon, il a peut-être d'autres visions qui ne se sont pas retrouvées. Il est libre comme citoyen, naturellement. Donc, il n'est pas sorti de nulle part. C'est un quelqu'un, c'est bien connu. Il est connu des arènes, il est connu du système. Et qui plus est, professeur agrégé, professeur de droit public, professeur de droit constitutionnel, il sait bien que l'article 25, l'article 23, l'article 24, l'article 25 de la Constitution n'empêche pas les modulations réglementaires et que la police publique, la police administrative est nécessaire pour gérer les libertés publiques. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas informer l'autorité administrative. Qui plus est, ne pas demander l'autorisation de manifester. On ne peut pas vous empêcher. On doit l'encadrer. Et au nom de l'encadrement, on peut vous dire, compte tenu des informations que l'on a, et que seule l'autorité administrative est la même, est le seul, est la seule à apprécier l'ampleur, on peut vous dire décaler, non, et ce moment n'est pas propice. Et ça, c'est le pouvoir régalien. Et donc, qu'on le veuille ou non, l'autorité confère ça. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons besoin de faire la démocratie et on refuse que quelques citoyens qui sont habillés de ces pouvoirs puissent les exercer. Et dans l'exercice qu'ils font, on trouve toujours à redire par tel opposant, tel... Non, la police administrative, elle est connue. Elle est connue par le professeur d'ailleurs, qui me l'enseignera. Et donc, en la matière, il faudrait que simplement que l'équipe qui travaille autour de lui fasse le nécessaire. Et moi, je ne vois pas pourquoi on va empêcher le professeur de parler. Il a tellement d'autres arènes pour parler que moi, je suis d'avis. Et vous parlez de parrainage, mais franchement, si moi j'avais un pouvoir, c'est que naturellement, c'est que je vais arriver à dire à son parrainage, c'est 16 parrains. Et que Eric Moudeté devrait avoir les 16. Et qui encore MPL, 16 parrains. Et qui encore? Le problème, c'est que le parrainage, c'est pour nous empêcher quelques farfelus, et je le dis, assume d'être candidat. Eux, là, ne sont pas farfelus. Ils sont des citoyens connus qui ont des idées, qui ont des idées à faire valoir, qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, mais on a vu des gens qui viennent amuser la galerie. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils tentent le parrainage. Nous ne sommes pas... Il y a plein de rapports de Sénat, d'après l'élection même de la Cour constitutionnelle de 2011, Robert Dossou, qui ont stigmatisé les candidatures fantaisistes. Un certain nombre de comportements, et donc qui ont demandé qu'on essaie d'assainir la classe politique. Et comme je vous l'ai dit, la réforme, l'achat des partis a été voté à l'unanimité des députés de 2015, pas de 2019, de 2015. Donc, on était le vice-président de l'Assemblée. Donc, c'est pour dire que la réforme était voulue par tous. C'est à la mise en œuvre maintenant que les gens. S'il y a une disposition qui peut faire mal, c'est la disposition de 10% au niveau national pour les élections communales. Moi, si moi j'étais parti politique, c'est sur ça que je me battrais. Parce que l'élection communale étant des élections de type local, de proximité, demander que le parti ait 10% au niveau national, c'est fort. Mais il veut que c'est la volonté des dictateurs pour avoir des partis forts, peut-être aujourd'hui. Mais le parrainage, c'est le plus simple à avoir. 16 parrains, 660 possibles. Donc 10%, c'est le plus simple. Et il faut aller convaincre de votre projet de société. Il faut déjà que nous ayons l'humilité d'aller nous mettre à l'épreuve. Moi, j'entends les gens. En Côte d'Ivoire, il faut avoir 1% des régions et il faut avoir plus de 17 régions sur 33. C'est quelque chose comme ça. C'est plus compliqué parce que 1% de l'électorat d'une région fois 17 régions, vous devez sillonner les régions. Ici, vous n'avez qu'à sillonner 160 personnes au plus. Et ils sont concentrés dans 77 communes au plus.
Donc, dans 77 villes. Alors, donc, les régions sont plus compliquées. Vous n'avez que c'est aller expliquer votre projet, aller montrer ce que vous voulez changer pour le pays. Moi, je ne vois aucun élu. À qui on a monté ça? Aux élus, députés, aux élus, députés et maires, régulièrement élus et assumant leurs fonctions avec... avec plaisir et loyer. Merci à vous, Agapito Polomafoïkan. Oui, allez-y. Les deux parties présidentielles. Permettez, s'il vous plaît. Oui, les deux parties présidentielles. Inspirées par le président. Votre conclusion. Votre conclusion. Tout ce qui était comme parti en 2015. C'est là le problème. Votre conclusion. Votre conclusion. Donc, non, le parrainage n'est pas un problème en soi. Je pense qu'il y a trop de peur. Et je suis convaincu, moi, personnellement. Moi, j'ai toujours soutenu ici que le parrainage n'était pas une affaire des partis politiques. Je suis heureux maintenant que tout le monde se convainc que le parrainage, c'est l'élu et non le parti. Ça, c'est déjà un acquis. Il y a quelques mois, ce n'était pas si évident que ça. Là, maintenant, j'espère que tout le monde comprend que l'élu est différent du parti et il est intégral. Il a une responsabilité au-delà du parti. C'est un élu et il a le devoir d'analyser en son âme et conscience pour donner le parrainage. Ça, c'est le premier. Le deuxième, tous ceux qui ont droit au parrainage, c'est ceux qui ont élaborent leur argumentaire, élaborent bien leur projet, ils doivent aller soutenir leur grand oral, ils doivent avoir le parrainage. Je ne veux pas un élu qui va dire non, parce que la tête des personnes ne me plaît pas, je ne lui donne pas. Non, s'il explique bien son projet. Donc, celui qui aspire à gouverner le pays doit avoir l'humilité de convaincre 10% des élus. Mais aux députés, s'il ne peut pas le faire, il n'a pas qualité. Voilà. Alors, Alphonse Moïse Soudé. Vous savez, pour empêcher le professeur Joël Aïva de faire sa rencontre, on a évoqué les raisons de Covid. À Savé, on a respecté ça. À Tchaoun, on a respecté ça. À Parakou, on a respecté ça. Oh, Dieu, on a sensation. Les Bénins ne sont pas des cons, on n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. On a dit pour des raisons de sécurité, rester des gestes barrières, on a respecté à Savé. On a respecté à Tchaoun, on a respecté à Parakou. Ça, c'est un détail. Mais je dis, le parrainage en soi n'est pas mauvais. Mais quand je vois les discours cacophoniques du président de l'Assemblée, aucun député ne perd le parrainage un candidat si l'instance fessée de son parti le lit en dans l'ordre. Le bâtonnier, Jacques Mingan, monte au créneau, tape dans la fourmilière. L'honorable Gounou dit autre chose. Et le comble, c'est Oden Aradaté. Les quatre sont de la même écurie. Les quatre oubliés sont de la même écurie. Et Dagba Sosou qui dit, dites-nous jusqu'à quel montant. Quand vous attaquez aux épiphénomènes. Ce n'est pas épiphénomène. Attaquons-nous à l'essentiel. Ce n'est pas épiphénomène. Quand des éléments, quand c'est des personnes. C'est des épiphénomènes. Le président de l'Assemblée nationale. C'est, il parle en son nom. Il parle en son nom. Non, bon. Bien sûr. Ce n'était pas au nom de l'Assemblée nationale. Je suis. Ce que vous devez savoir. Oui. Le parrainage n'est pas mauvais en soi. Ça fait 159. Donc, la Sénat a donné le modèle. Nous devions théoriquement avoir 9 candidats. Voilà. Et en l'état, ce n'est pas évident. Parce que ce qu'on dit, c'est trop facile de dire. On peut. Si vous parrainez un candidat, c'est que vous donnez votre caution morale. Oui. Et l'acte, et je le dis sur en tous les plateaux, et l'acte qu'il pose sur le terrain vous engage. Non. Parce que non. Si vous ne lui avez pas accordé votre parrainage, il ne serait pas là. Non. Donc, je ne peux pas parrainer non. Quelqu'un comme l'a dit l'honorable Oden. Je parraine sans soutenir. Ça, c'est non. La comédie, ça. Je pense que ça mérite un peu d'explication. Non, c'est vrai. Vous allez rebondir tout à l'heure. Je demande 5 secondes. Parce que ça peut entrer dans son développement. Excuse-moi. C'est un débat. C'est un débat. Non. On va être mécanique. Parce que si on voulait que ce soit un truc de parti politique, on aurait pu dire que les candidats sont présentés par les partis politiques. Ici, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. C'est une élection individuelle. Et donc, on a laissé ouvert le jeu. On a laissé ouvert le jeu des partis, mais c'est le jeu de personnalité qui va quérir maintenant. Il faut quand même des conditions pour quérir des parrainages. Donc, des élus. C'est important de comprendre ça, que l'élu qui vous paraît n'est pas votre caution. A dit que lui, il juge le principe du parrainage. Le principe du parrainage n'engage pas moralement le parrain. Mais c'est une caution. Oui, il estime que votre merci, principe Agapit, est acceptable. Merci, Agapit Napoléon. On vous a compris. Alors, oui, Alphonse Moïse, vous pouvez poursuivre. Regardez, on va se taire, il va continuer. Mais ne vacuez pas, parce qu'il faut que les populations comprennent le bien fondé du parrainage et l'engagement du parrain. Le parrain est un élu et en tant qu'élu, il n'a pas de
position. Il ne devrait pas avoir. Maintenant, lui, en tant qu'individu, et il a une position. A dit qu'ils doivent. Non, en tant que parti, en tant que militant, il a une position. En tant qu'élu, il représente le peuple. Il y a deux niveaux dans le même plan, qu'il faut essayer d'analyser. Merci, on vous a compris. Lorsque le chef de l'État dit que je ne voudrais pas qu'il y ait des accords. Alphonse Maurice Soudé. Les consignes existent. Alphonse Maurice Soudé. Nous savons. Abel Gounou, quand la Sénat dit que ça sera fait sous anonymat, vous avez vu son coup de gueule. Ah non, ça veut dire quand eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. C'est normal, c'est politique. Bon, ils ne se font pas confiance. Mais on est dans la lutte politique. Et si on libère, j'ai dit sur un plateau que mon vis-à-vis a ri, quoi. Le chef de l'État, il sait, et je le lui ai toujours dit, qu'il ne peut pas faire confiance aux 82 députés. Il le sait. Parce que face à des lois, on oblige les députés à faire de la procuration. Il sait très bien que si on offre la liberté aux... Ils n'usent pas avoir les 16 parrains. Parce qu'il leur a dit qu'en politique, vous avez des partenaires de circonstances. Wow. Ils vont lui montrer qu'ils sont des partenaires de circonstances. Abel Gounou sait de quoi il parle. Ils se connaissent, hein? Ils se connaissent très bien. Vous dramatisez. Non, dramatisez. Prenez le risque de le faire. Il va pas trouver les 16. Oui, je le suis pris. Ils savent. Nous sommes sur un terrain politique. On a dit le parrainage, c'est pour filtrer. C'est pour éviter les candidatures de plaisantins. Et je suis d'accord. Fantaisiste. Mais moi, avant de faire confiance à ces gens-là, j'attends qu'on me dise. Les démocrates, ils ont leur récipicé. Le candidat Éric Koundé aura ses 16 parrains. Le professeur Joël Aïvor a ses 16 parrains. À moins que... Sauf s'ils ne font pas le jeu. Ils vont pas aller s'asseoir calé et on va leur donner des parrainages. Non, c'est pas question d'être calé. Mais c'est... Demandez à Marine. Il est question de ne pas avoir. À Jean-Marie Le Pen et à Marine, son papa et sa fille. Il est question de ne pas avoir. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également. Merci également à vous, Agapite Napoléon Mafoy. Merci également à vous, Joseph Perzo Anago. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne suis pas d'accord. Bon, nous allons progresser et clore cette émission. Merci à vous, Alphonse. On vous aura compris, Agapito aussi, on vous aura compris. Je crois que nous aurons le temps, d'autres opportunités de revenir débattre pleinement, beaucoup plus en profondeur sur cette question du parrainage, parce qu'à vous entendre, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes pris par le temps. Je crois que Joseph Perzo Anago également a beaucoup de choses à dire. Mais Anago, Joseph Perzo, avant de finir, très rapidement, en une minute, votre analyse sur la situation en Côte d'Ivoire. Bon, mais la situation en Côte d'Ivoire, ce qui m'a un peu chiffonné, c'est le parallèle que je suis obligé de faire avec une certaine élection législative, la dernière au Togo. La politique de la chaise vide ne me semble pas être la meilleure formule. Je suis presque certain. Je ne suis pas ivoirien. Je t'offre le bénéfice en 2019. C'est la même chose par parallèle aussi. Non, mais c'est cela ce que je dis. Oui, on va y aller. Les élections en Côte d'Ivoire devraient être, me semble-t-il, plus ouvertes que celles qu'on a vécues ailleurs. Et donc, ces présidents qui ont maintenu leur candidature et ont refusé de compétir, je n'ai pas compris finalement ce à quoi. C'est un peu confus. Oui, c'est confus. Ils auraient pu prendre part et maintenant contester les résultats. Mais dire nous ne participons pas au scrutin, l'autre avait le boulevard, et puis il a été élu, me semble-t-il, à 98 ou 99%. Du stalinien. Donc là, franchement, je dis c'était une grosse erreur politique de la part de l'opposition. Agapite Napoléon Frigan, votre analyse également sur la même situation. Moi, pour voir, il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est l'opposition africaine, c'est ça, c'est un peu l'image de ces opposants qui ne savent pas compétir, et qui s'avouent vaincus. Vous devez une élection, il faut. C'est idée contre idée, c'est aller convaincre la population. Mais si vous faites des jeux pour bloquer, ça va se faire contre vous. Donc, je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs la Guinée, mais bon, on est passé rapidement, montre que la démocratie en Afrique se fonde sur ce qu'on appelle de gros malentendus. Et il faut que l'élite africaine travaille à lever ces gros malentendus-là. Et le troisième mandat aussi. Parce que quand on parle de troisième mandat, ouais. si l'arsenal d'un pays le permet, on peut avoir 10 mandats. Pour moi, la libération de mandat n'est pas le fondement absolu. Je dis absolu. Ça peut concourir. Donc, chaque pays essaye de voir son environnement pour gérer. Mais qu'on pense que mécaniquement, c'est comme ça, je pense que non. Il faut qu'on fasse les débats à l'interne. Quel type de démocratie on veut, quelle loi on veut et quel modèle nous voulons bâtir. Quel modèle de démocratie nous voulons bâtir dans nos pays. Et il faut le faire, sinon on ira de malentendu en malentendu. Très rapidement. C'est une seule phrase. La Côte d'Ivoire est maudite.
Merci à vous, Alphonse Moïse Outé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez avec Joseph Perzoanago qui était assis à votre droite. Il est directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous étiez tous deux face à Agapit Napoléon Mafoïkan, consultant média communication. C'était Info Hebdo de ce samedi, chers amis internautes de EZAE TV. On se retrouve demain avec l'invité. Ce sera avec l'ancien préfet Moukaram Badarou. À demain.